Le samedi 14 mars, cette salle de restaurant était pleine pour une soirée country. Avec l'annonce du confinement, la fête a été écourtée à minuit. Fini les visites du parc animalier, l'hébergement en tipi et la restauration. Mais restent les 200 bisons, les 40 loups et les 140 cervidés. C'est au moins 400 000 euros par an de charges fixes incompressibles. Si on comptabilise les frais qu'on peut avoir et les charges fixes, on va avoir l'alimentation, on va pouvoir parler aussi des frais vétérinaires. Ensuite, il y a une consommation que les gens souvent ignorent, mais nous on a la chance, c'est que les bisons ils soient enclavés au fond d'une forêt. Les seules espèces qui pouvaient y être adaptées, c'était les bisons à cause de la tique. Mais par contre, il faut bien sûr amener l'eau. Et forcément, ça c'est un frais qui est relativement important. Ici, on travaille en famille, les parents avec leurs enfants. Tous sont donc impactés par cette crise sanitaire. Très vite, ils ont donc réfléchi à l'après. Jusque-là, les visites du parc se faisaient en camion militaire, inenvisageable avec la nécessaire distanciation physique. Elle se ferait désormais dans son propre véhicule. Aucun risque de contamination, puisqu'il ne change pas d'environnement. Surtout aussi, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, au niveau des autorisations, c'est beaucoup plus facile à développer, puisque vous prenez par exemple le parc de Thoiry, les visites véhiculées existent. Le parc à loups s'étire sur 2,5 km. La visite pourrait se faire à pied. Le restaurant, qui pouvait accueillir jusqu'à 300 personnes, permettrait d'éloigner les clients les uns des autres. Enfin, ils envisagent un partenariat avec le théâtre à l'Ouest, spécialisé dans l'humour, à Rouen. Les gens resteraient dans leur voiture, passeraient par le parc à loups, passeraient par les biches et arriveraient donc sur un champ dans lequel on les stationnerait en épi. Et là, il y aurait une scène très allongée où l'humoriste va devoir faire un show. Tous ces dossiers ont été déposés en préfecture. Ils espèrent reprendre une activité vers la mi-juin.